vous dormez quoi? Est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer actuellement sur Facebook? Jamais. C'est grave. Vous savez, après la sélection des Lions Indomptables pour le Qatar, Samuel Eto'o a décidé d'inviter aussi les influenceurs et les influenceuses qui iront représenter le 237 au Qatar. Venez. Sauf qu'il n'a pas invité certains qui se croient le king, le pape des réseaux sociaux. Mon frère. Les gars sont en train de pleurnicher. C'est très grave. Ça a d'abord commencé par qui? Par la présidente, bon, la représentatrice, comme ça on appelle ça, autoproclamée des anciennes comédiennes sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux, à la télé. Elle s'appelle Zang de Zang. Elle se plaint, elle écrit son, elle fait le post, elle dit: Papa Samuel Eto'o, je ne suis pas jaloux, hein, et je ne suis pas contre toi, hein. Enfin, sauf que tu as fait ton truc, tu as fait ton programme, tu as fait des invitations, tu n'as pas invité les anciens, tu n'as pas tenu compte des anciens comment. Nous qui avons mouillé le maillot, vous savez, leur époque était un peu comme l'époque de Roger Milla dans le football, et les gars jouaient pour la santé, hein? Pour le plaisir. En vrai? Donc les gars, là-bas, quand ils faisaient leur comédie à l'époque, c'était pour passer à la télé, on les appelait stars, ils n'avaient rien. C'est pas comme aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux où tu fais un petit truc comme ça, tu as l'argent. Ah oui. Là, c'est plein que, oh papa, nous on va en prendre là-haut l'argent pour payer aussi le billet d'avion pour aller au Qatar. Tu n'as pas mis les anciens. Comment? Gna. Le fils de Paul Biya parle beaucoup. Paul Biya est un... Vous allez voir. Pendant qu'on a encore pleuré son sort, bam, l'autre chose aussi derrière. Je croyais que j'étais cita, hein. Donc chaque jour je fais mes posts sur Facebook comme ça. J'ai les 2000 commentaires, j'ai les 3000 commentaires. Donc Samuel Eto'o ne me connaît pas. Qui ça? On l'appelle Niketchue. Hein? Qui? On l'appelle Niketchue. L'ancienne comédienne de dans l'écurie Fingontralala. Tu vas lire mon ami. Elle fait ça pour le poste que je croyais que j'étais aussi cité. Donc Samuel Eto'o ne me connaît pas. Ah quoi? Ça c'est quel pays? Maman, tu n'es pas cita. Tu es star. C'est souillant, hein. C'est très souillant. Regarde, c'est grave. Son père a son tout sort. Et les mais ce petit Eto'o là croit même quoi? Tu sais que quand les grands veulent faire le truc, veulent parler, ils parlent en termes de moyens. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un grand qui a l'habitude, n'est-ce pas, d'acheter les terrains, les voitures à ses acteurs. Godness! Le gars fait juste un post. Bla Oya, tu es où? Trouve-moi chez moi, on va faire aussi la liste là pour envoyer mes gars au Qatar. Ça met tout la croix même que quoi. Il ne m'a pas invité. J'invite tous mes enfants au Qatar. Aïe! Yeah. Vraiment, je suis étonné. C'est la magie. Ça va péter. Ça va chauffer maintenant. Ça brûle. Donc, c'est-à-dire que, Fingontralala, là, tout ton écurie pour aussi au Qatar. Mais tu es quand même un gars capable. On se souvient, tu avais invité d'abord tous tes gars à Dubaï. Donc, c'est pas Qatar quand même qui va te dépasser. C'est vrai. Sauf que les gars, n'oubliez pas que le billet d'avion, quand vous voyez les prix là, je vois d'autres, les 40 millions, les 12 millions, les 4 millions. En fait, le dernier billet, c'est 24 millions. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un veut partir au Qatar avec son propre agent là. Il faut au moins 4 millions. Vous comprenez dans la compréhension? Hey, yeah! C'est l'agent qu'on cherche au pays comme ça là. Oh, maman! Il y a quand même un petit là qui a dit que je ne reste pas dans le silence. Comment se fait-il que Samuel Eto'o peut faire ce genre de choses? Il organise, il invite les influenceurs. Il ne pense pas au gars qui colle les images. Qui ça? Edilano. Le gars dit qu'il pense aussi à nous. Mais Samuel Eto'o, toi aussi, tu fais quoi comme ça? Tu n'invites pas les colleurs d'images comme mon frère. Donc, nous ne sommes pas aussi les enfants des gens. Point d'interro, gaffe. En tout cas, mon frère, je ne sais pas qui t'a donné, qui t'a fait la liste là. Le jour qu'il va trouver le gars qui t'a fait la liste à la route, il va lui donner d'abord un bon coup de tête. Vous qui irez au Qatar là, nous on va rester au pays, vous supporter. Mais je voulais juste vous annoncer que le complexe Las Vegas, pendant la Coupe du Monde là, va organiser un truc de venir voir là-bas au complexe Las Vegas, à Messasi, à Emanapong, Emanala, derrière Amouba. Vous connaissez le complexe, tout le monde connaît le complexe, non? Donc pendant la CAN, les gars, ça va faire boum. J'ai même passé la nuit là-bas, vous savez que là-bas, il y a les chambres modernes, les chambres VIP. Donc là-bas, là, si tu veux un peu te reposer, va juste au complexe Las Vegas, va au contact en bas, appelle juste le responsable, il va te recevoir. Il y a deux salles de fête là-bas pour les mariages, les baptêmes, les anniversaires, tout le reste, même les concerts. Là-bas, tout est propre.
Donc, quand vous irez au Qatar, là, nous qui allons rester au pays, moi, j'ai choisi mon endroit propre, calme, VIP. Donc, j'irai, moi, au complexe Las Vegas. Regardez mes matchs sur écran géant. Mais oui, c'est clair. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Papeto, nous, on sait que vous allez partir au Qatar, mais en rentrant, gardez-nous quand même quelque chose. Hein? Gardez-nous les souvenirs. C'était l'info JAPAP 237, les gars. Tout ce qui bouge, nous on dit, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.